Maseret Gitin Daf Kaf, on va commencer par le troisième tiers de la page de Yutet Amud Bet à partir des mots Amar Shmuel. Natan la Neyak Halak Bamar la Reze Giter Megoreshet Haishinan Shema Bemem Milin Ketavo. Shmuel nous enseigne une halakha qui est choquante. Imaginons, par exemple, un homme aurait dit à une femme, tiens ton guet, voici, il lui donne un papier, et ensuite nous on regarde le papier, on voit qu'il n'y a rien du tout. Mais lui, quand il lui a donné ce papier, il lui dit, voici ton guet. Alors, si c'est un papier vide, ce n'est pas un guet, elle n'est pas divorcée. Et Shmuel dit, malgré tout, misafek, on dit qu'elle est peut-être divorcée. Pourquoi ? Parce qu'il se peut que il y avait dans ce papier-là des mémélines, du jus de noix de gale, me'afatsim. C'est un peu transparent. Ces me'afatsim auraient pu être écrits sur le papier au moment où on a écrit. C'était tout à fait visible. Mais après, avec le temps, petit à petit, ça s'est absorbé à l'intérieur du papier. On ne voit plus maintenant. C'est devenu invisible. Alors Shmuel dit qu'étant donné qu'au moment où il lui a donné le guet, c'était un guet écrit avec une écriture lisible et visible, alors c'est un guet qui est absolument kasher. Donc elle est divorcée. Et même si plus tard, avec le temps, les hâtes, ça s'est absorbé dans le papier, donc aujourd'hui on ne voit plus l'écriture, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas au moment du guet. Alors, Shmuel dit Haishina. Peut-être que c'est un papier blanc, peut-être que c'était un papier écrit avec Merafatsim qui a été absorbé avec le temps, étant donné qu'on a un Safek, elle est Megureshet Misafek. Quelle est l'incidence? L'incidence est la suivante. C'est que, par exemple, maintenant, son mari est mort. Est-ce qu'elle est veuve ou elle est divorcée? Si on dit que le guet, c'était un papier blanc, il n'avait jamais écrit de guet, il s'est moqué d'elle, alors dans ce cas-là, elle n'a jamais été divorcée. Si elle n'a jamais été divorcée, donc maintenant qu'il est mort, elle est veuve. Si elle est veuve, elle peut épouser un Cohen. Ou bien si, par exemple, ils n'ont pas eu d'enfant, eh bien, elle va faire Iboum avec son frère. Mais dans la mesure où il y avait des mémélines, il y avait du jus de noix de gale qui était utilisé comme de l'encre pour écrire le guet. Donc au moment où lui a donné, c'était un vrai guet, donc elle était divorcée. Si elle était divorcée, automatiquement, elle ne pourra pas épouser un Kohen, car elle n'est pas Almana. Automatiquement, elle ne pourra pas faire Iboum, car il y a le Issur Echet. Ah, le beau-frère n'a pas le droit d'aller avec sa belle-sœur si elle était divorcée avant la mort de son frère. Alors, étant donné qu'on a un Safek, on va devoir être Mahmir. Mais d'autre part, il ne peut pas continuer à vivre avec elle comme ça. Il faut Mahmir, considérer qu'elle était peut-être divorcée. Et donc, elle ne pourra pas épouser un Kohen. Et donc, elle ne pourra pas faire Iboum. Mais d'autre part, il faut aussi être Mahmir. Il ne peut pas vivre avec elle maintenant. Si jamais ils ont fait un shalom, il faut qu'il se remarie avec elle. Qu'il fasse la Hupa et Kiddushin. Et si c'est un Kohen, il ne pourra pas. Et donc, voilà, Haishinan. Comme ça nous dit Shmuel. Amar Shmuel, Natan la Neir Halak. Il lui a donné un papier blanc. Ve'amarla, il lui a dit, Areze Giter, voici ton guet. Mais Gureshet, on considère qu'elle est peut-être divorcée. Haishinan, car nous craignons. Shema Beme Milin Ketavo, que peut-être il a écrit avec Memilin, avec Merafatsim, du jus de noix de gale. Et on avait déjà vu qu'un guet qui est écrit avec Merafatsim, c'est un guet kasher. Voilà, la Gemara pose la question, elle dit. Je suis étonné de cet enseignement de Shmuel, car a priori, ça contredit la baraïta suivante. Metiv et Areze Giter, Unetaltoz, Rakatolaya, Mola Ur, le Choldavara Aved, Hazar Ve'amar, Shtar Pasimhu, Shtar Amanahu, Megureshet, Velo Kolhemenu le Osra, Tama Deika Ktab, Haleka Ktab, Lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons, encore une fois, un cas d'école. D'accord? Donc, on va illustrer un cas, mais c'est vrai que c'est peu probable, ces histoires. Mais c'est juste pour qu'on apprenne les principes de Halakha. Quel est le din si jamais un homme a donné le guet à sa femme? Elle l'a jeté à la mer, ou dans le feu. Et
avait des Edim qui avaient vu qu'il lui a donné quelque chose. Ils ont vu des formes d'encre. Ils ont vu des formes de lettres. Mais ils n'ont pas vu correctement. Mais ils ont vu des formes de lettres. Et elle a jeté cela à la mer. Et une fois qu'elle a jeté à la mer, elle lui a dit « Ah, c'était une blague. Ce n'était pas un guet que je t'ai donné. C'était juste un shtar de Amana, de Passim. » Tu sais c'est quoi shtar Amana, shtar Passim? Par exemple, shtar Passim, c'est shtar Piusim. Pius. Dans le sens où il y a quelqu'un qui veut se montrer riche. D'accord? Les faux riches. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit « Je t'en prie. » Écrit comme quoi tu m'as prêté de l'argent ou comme quoi j'ai beaucoup d'argent maintenant ou l'inverse, c'est moi qui prête à quelqu'un. Lui, il a eu une personne qui lui a prêté de l'argent soi-disant, mais qui ne lui a pas vraiment prêté. C'est juste pour montrer que c'est quelqu'un de large qui prête à tout le monde, c'est quelqu'un de riche. Il lui a dit, mais je compte sur toi, tu ne vas pas me réclamer, hein, tu es mon copain. Je te fais ça pour passer comme un riche. Ou Shtaramana, ou bien vraiment quelqu'un qui a voulu emprunter de l'argent. Il a voulu emprunter de l'argent, et dit, écoute, maintenant on a un sofer sous la main, mais tu n'as pas l'argent pour me prêter. Mais je te fais confiance. Anima Amin, Amana, Ishli Emuna. Je sais que tu ne vas pas me voler. Donc maintenant, on va écrire le get. Le get va être écrit. Pardon, le shtar alva'a, il va être écrit aujourd'hui. Et quand on va arriver à la maison, tu me prêtes. Je sais que j'ai une confiance aveugle en toi. Tu ne vas pas faire usage de ce shtar tant que tu ne m'as pas prêté vraiment l'argent. Ok. Comment ça s'appelle? Shtar Amana. Pourquoi ça s'appelle Shtar Amana? Emuna. Shtar Passim. C'est quoi Shtar Passim? Piusim. Pour paraître riche. Bekitsu, en d'autres termes, c'était un Shtar qui n'a rien à voir avec le get. Alors il lui dit, Madame, tu n'es pas divorcée. Quel est le din? La Braïta nous dit, répétons, Métivé. Le mari donne à la femme un papier, un document, et lui dit, voici ton guet. Elle a pris, elle a jeté à la mer, ou au feu, ou n'importe où, où l'objet est perdu. Et après, il est revenu là-dessus, il a dit, non, ce n'était pas un guet que je t'ai donné, c'était un shtar passim ou un shtar amana. La Braïta nous dit, mais gourechette, on ne le croit pas maintenant. Ce qu'il avait dit avant, c'était Résiguiter. Ce qu'il avait dit avant, il lui a donné le document. Ça, c'est un guet. Maintenant, il est en train de nous raconter des histoires à dormir debout. Shtar Amana, Shtar Passim. On ne le croit pas. Nous, on dit Megureshet. Lokole Menou le Osra. Il n'a pas la possibilité de la rendre interdite. Car au moment où il lui a donné le guet, il a rendu permise à tout homme. Elle peut se marier avec n'importe qui dans le monde. Maintenant, quand il dit non, ce n'était pas un guet que je t'ai donné, il la verrouille, il interdit au monde entier, à part lui. Alors on lui dit, c'est pas toi qui vas faire la pluie et le beau temps. Tu lui as donné un guet, tu as dit Megureshet, à ce moment-là, était Megureshet. Toi, maintenant, tu commences à dire que ce n'était pas un guet, et it's not good. Ok, fin de citation de Baraita. Comment de là on déduit une couchée contre Shmuel. Tama de kaktav, hale kaktav, lo. Toute la raison pour laquelle elle est Megureshet, c'est parce que les Edim, quand ils ont vu qu'elle a jeté un guet, pardon, elle a jeté un document dans l'eau, dans le feu, ils ont vu des formes de lettres. Alors là, on dit, ils ont vu des formes de lettres. C'était un guet. À ce moment-là, c'était un guet. Après, maintenant, il veut changer. Machma, que si c'était un papier blanc et qu'il n'avait rien vu. C'est bon aussi, puisqu'on l'a dit tout à l'heure que c'était bon. Alors c'est ça la couchée. Shmuel a dit que c'est bon. Voilà. Comment Shmuel peut dire que c'est bon? Mais ici on a dit que c'est bon que s'il y avait des lettres. Alors c'est la couchée.
Shmuel. Comment Shmuel peut dire que même si les Hédim n'ont rien vu, tu dis que c'est cachère? Parce que peut-être, Haïshinan, Shema, Memilin, mais il contredit la Baraïta. Car selon de la Baraïta, on peut déduire que pourquoi elle est Megoureshet, pourquoi elle est considérée Megoureshet, c'est seulement parce que. C'est seulement parce que les Hédim ont vu des formes de lettres. Quand il lui a dit, vas-y, ton guette, ils ont vu des formes de lettres. Mais s'ils n'avaient rien vu, alors là, il peut faire la pluie et le beau temps, on ne s'appuie pas sur ce qu'il a dit. Je relis le Rashi. Halika ktav lo de ibeniyar halak namir brinda megoureshet. Regardez comment Rashi explique très joliment la kushia. Il dit, si Behemet, Shmuel avait raison de dire que même si on ne voit rien, cette femme, elle est, ça s'appelle Megoureshet, parce que peut-être il y avait ici une écriture avec du Memilin qui s'est absorbée avec le temps, si c'était vrai. Au lieu que le Tana nous donne un Hiddush, quand les Hédim ont vu des formes de lettres, on aurait pu donner un Hiddush encore plus grand, même s'ils n'ont rien vu. Si on ne nous a pas donné un Hiddush plus grand, c'est qu'il n'existe pas ce Hiddush. Rashi. Des Ibeniyar Halak, même pour un papier blanc, Nami Amrina Megoureshet, on dirait également qu'elle est divorcée. Mirde, Tana, Talea, Shmoinan, De Afalgab, De Loakrina, Igita, Ave, Ilo, Kevanda, Marla, Gitaou, Loadar, Betou, ou Marzekin, Nam, De Gitaou. Puisque le Tana dans la Braïta a voulu nous dire qu'il est fort possible que ce guet puisse être cachère, dans quelle mesure? Dans la mesure où ils ont vu, bien qu'on a, ils n'ont pas lu le guet, n'est-ce pas? Mais juste il lui a dit, Gitaou, Lohadar Betou, il ne peut plus faire machine arrière, Omar Zeki Nam de Gitaou, mais Ibeneyar Halak Namis Viraleachi, et si c'était vrai même pour un papier blanc, les Hashmoinan Ributayeterata, des Nea Halak. Alors le Tana aurait dû nous enseigner un Hidouche beaucoup plus grand, au lieu de nous parler d'un cas où il y avait un Shtar, où il y avait quand même une écriture, ils ont vu des formes de lettres qu'elle a jetées. Alors là, tu dis, maintenant il ne peut plus faire marche arrière, parce qu'au moment où il lui a donné, il a dit, c'est un guet devant les Hédim. Alors maintenant, il ne peut plus faire machine arrière. Mais si tu dis que même en lui donnant un néar blanc où on ne voit rien, tu dis aussi que c'est un guet, alors ça, ce serait un hidouche beaucoup plus grand à nous enseigner. Tu ne m'enseignes pas un petit hidouche comme tu peux m'enseigner un plus grand hidouche, car qui peut le plus peut le moins. Machma, que c'est faux ce que dit Shmuel, qu'un guet où on ne voit rien, c'est un guet, ma pitom. La Gemara répond, tu as raison. Bonne question. Kika Amar Shmuel debatkinan le bemaya de nara. Ipalit palit veilopalit lopalit. Mais pardon, veilopalit lavklomo. C'est-à-dire, Shmuel n'a pas dit que c'est cachère dans tous les cas de figure. Il fallait passer le guet dans un liquide qui s'appelle révélateur d'écriture. L'encre invisible, hein? L'ultraviolet, c'est-à-dire que on fait passer dans un liquide qui fait ressortir l'écriture invisible. Donc, avant c'était écrit, Bememilim, au moment où lui a donné, c'était visible, après ça a été absorbé, et maintenant ça réapparaît. La Gemara dit, Vechipalit Mayhave, Hashtaou de Palit. La Gemara dit, je ne comprends pas, mais au moment où il lui a donné, il n'y avait pas d'écriture. Au moment où il lui a donné, il n'y avait pas d'écriture. Elle n'était pas lisible. Tu l'as fait passer à l'ultraviolet, dans le liquide révélateur. Ce n'est qu'après. Mais au moment où il lui a donné, ce n'était pas lisible. Ce n'était pas visible. Donc c'est un papier blanc. On ne peut pas considérer cela comme un guet. Elle existait, mais on ne la voyait pas. Hein? Elle existait, mais on ne la voyait pas.
Eh bien, ce n'est pas un guet, car un guet, c'est quelque chose qui doit être lisible. Alors, qu'est-ce que nous dit là, ici, Shmuel? La Gemara dit « Haïshinan ka'amar ». Shmuel, ce qu'il avait dit, juste « Haïshinan ». Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez Rashi. « Haïshinan, nous craignons, « Shemaloni vleru yafé, « Mais imet asur la kohen, « Holetzet velomitia bemen, « avec Roujaï. » C'est-à-dire, en réalité, Shmuel ne voulait pas dire « Megourechet » à 100%. Il a bien dit « Haïshinan ». Qu'est-ce que ça veut dire « Haïshinan » ? On a peur de... Peut-être qu'au moment où il lui a donné le guet, les lettres étaient encore visibles. Ce n'était pas complètement absorbé. C'était encore lisible. Maintenant, quand c'est parvenu à nos mains, alors ça s'est absorbé complètement. Mais peut-être qu'au moment où il lui a donné, c'était encore lisible. Alors maintenant, qu'est-ce que fait le liquide révélateur Maya Denarash, ultraviolet? Déjà, il nous permet de savoir est-ce qu'il y avait ici, à l'origine, une écriture avec du jus de noix de galle. Est-ce qu'il y avait ou il n'y avait pas? Parce que si, en mettant dans ce liquide, il n'y a rien qui ressort, donc l'afkloumou, ce guet c'est 0 plus 0 égale 0. Rien du tout. Elle n'a jamais été divorcée, cette femme. Si son mari meurt, elle peut épouser un Kohen. C'est une almana. S'ils n'ont pas d'enfant quand il est mort, elle peut faire iboum. Mais si d'autre part le Maya Denarash fait ressortir les lettres au jus de noix de galle, eh bien dans ce cas-là, on a un safek. Pourquoi un safek? Est-ce qu'elle est divorcée ou pas? Car peut-être qu'au moment où il lui a donné, c'était encore visible et lisible, ou peut-être pas, que déjà au moment où il lui a donné, ce n'était plus lisible. Alors on est mahmir dans les deux sens. On est mahmir dans le sens où elle ne peut pas épouser un Kohen même s'il meurt. Elle ne peut pas faire iboum s'il meurt. Elle doit faire obligatoirement halitza, le déchaussement. Mais d'autre part, il ne peut pas continuer à vivre avec elle. S'ils font un shalom, il faut se remarier aussi. Amar Avina. Amar li amemar. Achi amar marimar. Mishemé de Ravdimi. Qui veut me répéter les quatre noms qu'on vient de voir? Ravina a dit au nom de Amimar. Qui a dit au nom de Marimar, qui a dit au nom de Ravdimi. Ravina, Amimar, Marimar, Ravdimi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Hane Betre, de Yahiv Gita Kamayhu, Tsrichel et Mikreye. Quand il y a deux témoins visuels de la transmission du guet, il faut qu'ils lisent le guet avant la remise. Metive Hareze Giter. J'ai pas compris. Comment tu peux dire une chose pareille? Mais toi, le Emora, tu peux pas contredire un Tana. Or, dans la Braïta que nous avions déjà vue, lorsqu'un mari a donné un document à sa femme, il lui a dit « Harizé Giter ». Et ensuite, elle a jeté dans la mer. Et après, il lui dit « Ce n'était pas un guet, c'était juste un shtar amana » ou un shtar passim. D'accord, c'est quoi shtar amana? Emouna. Ça veut dire qu'il lui a fait Emouna, il a écrit un guet, mais il a fait confiance, il lui dit « Bémet, tu ne m'as pas encore prêté d'argent, mais au moins, maintenant qu'on a le sofer sous la main, on a écrit un shtar, comme ça, après on pourra l'utiliser quand tu m'auras prêté. Ou shtar passim, juste pour paraître riche. Comme quoi il prête l'argent et tout. Nachon, alors, shtar passim, shtar amana. Il lui dit, ce n'était pas un guet. Ce que tu as jeté dans la mer, c'était un shtar passim, un shtar amana. Mais c'était de la blague. Tu sais pas rire, t'as pas d'humour, toi. Je t'ai dit, c'est ton guet, mais tu comprends pas que c'était pour m'amuser. Alors on lui dit, monsieur, ton humour jaune, c'est de l'humour noir. Et donc, en réalité, on ne te fait pas confiance. On est sûr et certain que c'était un guet. Et c'est maintenant que tu veux faire de l'humour. C'est maintenant que tu veux te moquer de nous. On ne te croit pas. Tu ne vas pas faire la pluie et le beau temps. Tu lui as donné en tant que guet. Et on a vu les formes de lettres de loi. On n'a pas lu si c'était un guet ou jtaramana. Mais en tout cas, on a vu qu'il y avait une écriture dedans. Pour nous, c'est comme tu l'as dit à ce moment-là. Question. Si les Edim sont obligés de lire le guet,
Donc ils ont vu si c'était un shtar amana, shtar passim ou un get. Alors comment il peut se jouer de nous? Comment il peut maintenant se moquer de sa femme en disant « Mais non, ce que tu as jeté dans le feu, tu as jeté dans la mer, c'était pas un guet. Je t'ai donné un shtar amana, un shtar passim. » Mais on peut savoir, les Redim ont lu. Alors c'est une kushia sur qui? Sur Abdimi, qui a dit que les deux témoins visuels doivent lire le guet. C'est pas vrai? S'ils devaient lire, alors comment on peut avoir un cas anecdotique comme celui-ci? Exactement, s'ils avaient lu, donc c'est impossible ce cas d'école. Ce cas d'école n'est possible que si nous présumons qu'ils n'ont pas lu. Mais si tu me dis que l'Alaha impose la lecture, alors comment est-ce qu'on pourrait avoir ce cas d'école? Mais là, avant de pardonner, il dit c'était une blague. Exactement. Elle a jeté dans le feu parce qu'elle a piqué une crise. Elle a piqué une crise. Elle dit quoi? Tu veux me répudier comme ça? Elle a jeté dans le feu, elle a jeté dans la mer. Alors il lui a dit, mais t'inquiète pas, on vit heureux, comme un fleuve, un long fleuve tranquille. Alors, c'était pas du tout un guet. Alors le Bedin, qu'est-ce qu'il dit? C'était un guet, vous êtes divorcé. Alors la question est de savoir, je comprends pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors regardez la Gemara, qu'est-ce qu'elle répond? Réponse. La tsiricha de batar de kariuha aile le biade ve apke. Maoud et ma halufe halfe kamashmala. Alors, Rabotai, retenez votre souffle et ne vous énervez pas. Si on est déjà dans des cas d'école, alors poussons le bouchon encore un peu plus loin. Pour dire que ce get est un get. Et pourtant, on a dit qu'ils l'ont lu. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Ce n'était pas un get que je t'ai donné, c'était... Shtar passim, shtar amana, un document qui n'a rien à voir avec le get. Je t'ai pas divorcé. Eh bien, comment est-ce possible d'avoir les deux à la fois? Les Redim ont lu, et quand même lui, il peut dire, c'était un shtar amana. Comment est-ce possible? Écoutez bien. Regardez, regardez ce que je vais faire. Regardez ce que je vais faire. Regardez. Un prestidigitateur. Alors, il fait rentrer, regardez. Fait rentrer. Et il dit, voilà. Tiens ton guet. D'accord? En fait... Voilà, le vrai get, il est là. Moi, en fait, ce que je t'ai donné, c'est un shtar amana. Un cas d'école, c'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut pas vous énerver. C'est un cas d'école. Dans le sens où, c'est-à-dire que c'est ça le hidouche. Eux ont lu... Le vrai get. Et après, ensuite, maintenant, ce get même, il a remis dans sa manche. Il a mis dans sa manche. Et il a ressorti, il lui a donné. Elle s'est énervée, elle a jeté à la mer ou jeté dans le feu. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, écoute, ce que je t'ai donné, ce n'était pas un guet, c'était un shtar amana. Comment il peut prétendre une chose pareille? Mais les Redim ont lu, c'était un guet, de quoi tu parles? Nous aurions pu croire qu'il avait peut-être... deux shtarot dans la manche, un guet et un shtar amana ou shtar passim, et il s'est joué d'elle, c'est-à-dire qu'il s'est moqué en lui donnant le shtar passim, en lui disant, voilà, tu es mes gourechet, c'était juste pour la titiller, pour l'énerver. Elle s'est bien énervée, l'a jetée dans la mer ou dans le feu. Et en réalité, le guet est resté dans la manche. Peut-être, qui dit que? On ne craint pas. Si on a vu deux shtarot comme moi, maintenant je vous ai montré, j'ai sorti deux papiers de ma manche. Mais lui, on n'a pas vu qu'il a sorti deux papiers. Nous, on a vu qu'il a fait rentrer, il a fait sortir. Alors, justement, on aurait pu croire que peut-être il y en avait deux et donc il a fait échange. Non. Jusqu'à preuve du contraire, on considère que c'est le même document qu'il a fait rentrer, c'est le même document qu'il a fait sortir. Puisque eux l'avaient déjà lu en tant que guette, et il a pris ce même papier et l'a donné à la femme,
et elle, elle a jeté dans le feu. Et maintenant, il dit, mais non, ce que je t'ai donné, ce n'était pas le guet qu'ils ont lu. C'était un autre document que j'avais caché dans ma manche, qui était Shtar Passim, Shtar Rabbanan. On ne le croit pas. Bien sûr. Puisque les Edim ont lu. Les Edim, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un papier, mais peut-être qu'il y avait un autre papier. Oui, mais... Eh bien, c'est ça, Chidouche. Qu'on ne craint pas qu'il y avait un autre papier jusqu'à preuve du contraire. Je répète. La Tzericha, qui est-ce qui veut me traduire? Aidez-moi à traduire, s'il vous plaît. Des batards des Karyuha. Traduction. Batard, c'est quoi batard? Après, Karyuha, ils l'ont lu. Aïlé les Beyadé, il a fait rentrer dans la manche de sa main. Ve'apke, il a fait ressortir. Mahoud et Tema, tu aurais pu dire. Haloufé, halfé, qu'il a échangé, Kamash Marlan, c'est ça qu'on vient nous enseigner dans la Braïta, qu'on ne craint pas l'échange, et donc elle est vraiment divorcée. Allez les amis, Haou Gavra des Anklagidal et des Betou, les Béné Dané. Là maintenant on raconte une histoire, ce n'est pas un cas d'école, c'est une vraie anecdote. Il était une fois un homme qui a lancé le guet à sa femme, et le guet a atterri dans la cave entre les tonneaux de vin. Ishtekar Mezuzata, elle est partie pour ramasser son guet. Elle voit que qu'est-ce qu'il y avait là-bas entre les tonneaux? Une mezouza. Amar Rav Nachman, Mezuzata Benedane Lo Shachiha. Il dit, en général, on ne trouve pas une mezouza entre des tonneaux de vin. Alors, c'est quoi qu'il a lancé ce monsieur à sa femme, ce rachat? Il a lancé une mezouza. Il n'a pas lancé un guet, puisqu'il lui a lancé quelque chose, ça a atterri, ça a chuté entre les tonneaux. Elle est partie pour ramasser, qu'est-ce qu'elle ramasse? Une mezouza. Donc on dit que c'est ça ce qu'il lui a lancé. Donc il s'est moqué d'elle. Il lui a dit, tiens ton guet, en fait c'était une mezouza. Donc elle n'est pas divorcée. La Gemara dit, attention. Hanemile d'ishtekahada, aval shnaim shlosha. Mideha havai, hanami havai, vegita imur achbarim shakle. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on peut présumer que ce qui lui a lancé, ce n'était pas un guet, mais plutôt une mezouza? C'est seulement si on n'a trouvé qu'une seule mezouza. Mais imaginons qu'on ait trouvé deux ou trois mezouzotes. Alors dans ce cas-là, on ne dit pas, non, elle n'est pas divorcée. On ne dit pas ça qu'elle n'est pas divorcée, parce que certainement il lui a lancé une mezouza. Pas du tout. Peut-être qu'il lui a lancé un guet, mais elle ne l'a pas trouvé. Alors, mais voilà, elle a trouvé une mezouza. D'accord? Mais tu vois qu'il y en a même deux mezouzotes, il y a trois mezouzotes. Donc je peux très bien dire que de la même façon que la deuxième mezouza, la troisième mezouza, ce n'est pas lui qui l'a lancé, puisque lui, il a lancé qu'un seul objet. Là, tu trouves plusieurs objets. Ça veut dire qu'on ne sait pas d'où ça vient, d'où proviennent ces mezouzotes. Ça reste une énigme, mais c'est sûr que ce n'est pas lui qui lui a lancé maintenant la mezouza, parce que tu vois bien qu'il y a d'autres mezouzotes, et lui, il n'a lancé qu'un seul objet. Donc, forcément, les mezouzotes, comme les autres, sont arrivés de par ailleurs. Ainsi, cette mezouza qu'elle a ramassée provient de par ailleurs. Et où est le guet? Eh bien, elle n'a pas trouvé. Il se trouve caché peut-être entre les tonneaux. S'il y avait trois mezouzas. S'il y avait deux ou trois. Plus. Mais s'il n'y en avait qu'une seule, alors on présume que c'était ça ce qui lui a lancé. Parce qu'on n'a jamais vu des mezouzas entre des tonneaux de vin. Alors, puisque on n'a aucune raison de penser que la mezouza était déjà là, donc forcément cette mezouza, c'est ce qui vient d'atterrir quand il a lancé. Et c'est quoi qu'il a lancé? Il a lancé la mezouza. Et bien qu'il lui a dit à sa femme, voilà, prends ton guet, qu'il lui a lancé, en fait, il s'est moqué d'elle. Il lui a dit, prends le guet, il lui a lancé une mezouza. Donc elle n'est pas mégouréchette, à coup sûr. Par contre, si il y a plusieurs mezouzotes, alors dans ce cas-là, elle est safek mégouréchette. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il lui avait lancé un guet, qu'elle n'a pas trouvé, qui se trouvait entre les tonneaux. Mais le fait qu'elle ait trouvé une mezouza, ce n'est pas une preuve que ce n'était pas un guet. Car même s'il a trouvé une mezouza, peut-être que c'est une mezouza de quelqu'un d'autre. La preuve, c'est qu'il y a encore une deuxième mezouza, une troisième mezouza. Donc il est fort possible que son mari lui ait lancé un guet.
Et la mezouza qu'elle a trouvée, ça n'a rien à voir avec ce qu'il lui a lancé. Lui, il lui a lancé peut-être vraiment une guette. Donc ça fait que les gourmèches. Et qu'est-ce qu'on fait dans un safek megourechet? Aidez-moi. Quelle est l'incidence de safek megourechet? Ça veut dire que même s'il meurt, elle ne peut pas se marier avec un Cohen et il n'y aura pas de hibou. Mais normalement, qu'est-ce qu'il devrait faire? Soit la remarier, soit la redivorcer. Si c'est un Cohen, il doit lui redonner un guet. Si c'est un Cohen, il ne peut pas la récupérer. Safek megourechet, il doit lui donner un guet. Si c'est un Israël, il doit se remarier avec elle. Mais safek. C'est-à-dire qu'il doit lui donner la bague, faire la choupa, mais pas les shema brachot, parce qu'on ne va pas faire, on va pas dire shem shamaim le batala, ça fait que brachot le hakel. Alors les frères et les amis, et dites-moi, maintenant, je vous pose la question, maintenant, imaginons qu'on a fait bedikat hametz, on a retiré tous les tonneaux, toutes les cruches, et on a fait bedikat hametz, il n'y a pas une trace de guette. Il n'y a pas une trace de guette. Bravo. La Gemara dit, nous craignons qu'il y a peut-être une souris qui est passée par là et qui a mangé le guette. Et donc, étant donné que... Et donc, il y a toujours le doute. Ve'gita amur arbarim shakle. Encore une histoire. Il était une fois un homme... bizarroïde, qui a pris un Sefer Torah, il l'a donné à sa femme, il lui a dit, voici ton guet. Un homme qui est rentré à la synagogue, chacal Sefer Torah, il a pris un Sefer Torah, Yahiv le Debetou, il a donné à sa femme, Amarla Hagiter, voici ton guet. Amar Rabbi Yosef a dit, les Maïnichushla, est-ce bien, on va réfléchir à ce cas de figure, est-ce qu'il y a une raison de craindre le Girushin? Oui. Peut-être que dans le revers du Sefer Torah, il lui avait écrit un guet. Mais nous, on n'a pas vu. Alors peut-être que c'était écrit avec du jus de noix de galle. Me'afatsim. Est-ce qu'un guet pareil est cachère? On a déjà dit que si on écrit avec du jus de noix de galle, un guet, c'est cachère. Mais pas sûr. Un parchemin qui lui-même a déjà macéré dans du jus de noix de galle, parce qu'il a la même couleur que l'encre de jus de noix de galle. Tu ne peux pas écrire avec un jus, avec de l'encre, qui est Merafatim, Memilim, sur un parchemin qui lui-même a déjà été trempé dans Merafatim. Ça fait du brun sur du brun, du marron sur du marron, tu ne vas rien voir. Alors, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas un guet cachère. Donc même si, admettons, il lui avait écrit comme ça avec des lettres qu'on voit mal, mais c'est sûr que dans ce cas, ce n'est pas cachère. Ce n'est pas un guet normal puisqu'il n'est pas lisible du tout. S'il a écrit avec de l'encre, al-gabé memilin. Si c'est avec de l'encre, on l'aurait vu. Or ici, ça aurait été cachère. Au dos d'un Sefer Torah. Au dos d'un Sefer Torah, s'il avait écrit avec de l'encre noire et lisible et visible, et lui donne le Sefer Torah, eh bien oui, puisqu'on avait déjà dit que tout peut servir de support pour le guet. Mais là, on n'a pas vu de l'encre noire. Alors peut-être que c'est de l'encre qui est difficilement lisible, comme Mémiline. Quand est-ce qu'en effet ça peut s'appeler comme de l'encre? Quand c'est sur du papier blanc, mais pas sur du parchemin bruni par les noix de galle, par le jus de noix de galle déjà. Alors regardez maintenant, on est dans la première ligne du Daf Kaf. Imishum kritu deitbe. Habarina ve katavla, lishma ve leka. Alors peut-être qu'on pourrait envisager une autre hypothèse. Vous savez quelle hypothèse? C'est que dans la Torah, il y a une paracha de Kitetsé. Et dans la paracha de Kitetsé, il est écrit la loi du guet. Il est écrit que quelqu'un qui veut répudier son épouse, Vekatavla sefer keritut venatan beyada veshilecha mi beto veyatzah veyatalecha. Alors ça veut dire que quoi? Que lui, ce bonhomme, il veut se servir de la parashat Kitetsé comme guet. Ça veut dire que il veut se servir du texte de la Torah comme étant le texte du guet. Donc il lui donne le sefer Torah même en tant que guet, parce qu'il y a la parashat du guet.
La Gemara dit, mais il y a un problème. Lequel problème? L'Ishma. C'est que le Sofer n'a pas écrit ça pour le divorce. S'il n'a pas écrit pour le divorce, donc ça ne peut pas fonctionner. La Gemara dit, mais peut-être que, écoutez les frères, il a payé le Sofer, il a dit au Sofer, écris le Sefer Torah, et quand tu arrives à ce passage, tu penses à ma femme. Ça veut dire que lui, donc c'était l'Ishma, il lui a dit, tu penses à moi et moi, donc l'Ishma. La Gemara dit... C'était vraiment Minatora. Alors, la Gemara dit, « Imishum kritu deitbe » Si c'est parce qu'il y a écrit le mot « kritu » de Katavla, c'est un « kritu » dans la Torah. « Habainam de Katavla » L'Ishma. Là, l'Ishma, mais l'Eka, ça n'a pas été écrit. L'Eshem, divorce. « Vechitema le chujdimakdim viyahivla zuza le safra meikara » Et si tu vas craindre que peut-être... il a été donné de l'argent au Sofer avant l'écriture en lui disant « Pense l'Ishma pour notre divorce. » C'est-à-dire, il faut enlever le mot « Shina ». Le Gaon de Vilna efface le mot « Shina ». C'est-à-dire que dans un get, il faut écrire le nom du mari, le nom de la femme, le nom de la ville où ils habitent. Eh bien, tout ça, ce n'est pas écrit dans le Sefer Torah. Alors, comment tu veux que ce soit kasher? La Gemara dit, mais Rabbi Yosef Maïka Mashmalan. Alors, dans ce cas-là, c'est évident, Rabbi Yosef, on ne voit pas donc le Hiddush. C'est quoi ce qui vient nous enseigner que quelqu'un qui donne un Sefer Torah à sa femme dans l'intention de la répudier, eh bien ça ne marche pas. Mais c'est évident que ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas écrit le nom du mari, il n'y a ni écrit le nom de la femme dans le Sefer Torah. Non, l'Ishma, on a déjà répondu qu'il a payé le Sofer. Donc c'est l'Ishma. Donc il n'y a pas de problème de l'Ishma, c'est l'Ishma. Seulement, c'est même pas écrit tout. Parce qu'il n'y a pas écrit le nom du mari, ni de la femme, ni de leur ville. Alors finalement, quel est le chidouche de Rabbi Yosef, puisque c'est pas shoot, qu'un homme ne peut pas répudier son épouse avec un Sefer Torah? Ouais, réponse, chez En Memilin Al-Gabé Memilin. Le chidouche principal de Rabbi Yosef, c'est de dire que l'écriture avec de l'encre, basée que sur du jus de noix de galle, sur un parchemin de Sefer Torah qui est lui-même travaillé, avec du jus de noix de galle, il a macéré dedans, eh bien, ce n'est pas une écriture. Dans le sens où, même s'il avait écrit dans le revers du Sefer Torah, mais comme il a écrit avec du jus de noix de galle et le parchemin, il a été trempé déjà dans du jus de noix de galle, donc, en memilin al-gabé, memilin. C'est quoi memilin? C'est de l'encre, du jus de noix de galle. C'est quoi memilin? Eh bien, du jus de noix de galle. En Memilin, Al-Gabi Memilin, tu ne peux pas te servir de l'encre de Memilin sur un parchemin qui lui-même a été déjà trempé dans du Memilin. C'est ça le principal chidouche de Rabbi Yosef. Car le Memilin sur du papier classique, ça marche, mais du Memilin sur un parchemin qui lui-même a déjà été macéré dans le Memilin, ça ne marche pas. Vous entendez une belle question. Quel aurait été le din si ça rend pas soul le Sefer Torah, lorsqu'on a écrit dans le revers, au dos du Sefer Torah. Alors, la question est intelligente, et la réponse, c'est que le Rambam, il y a une très très grande tshuva du Noda Biouda à ce propos, basée sur le Rambam. Alors, il y a ceux qui veulent dire que la problématique, c'est seulement si c'était à l'intérieur, c'est-à-dire dans le recto, pas dans le verso, c'est là où on a des problèmes, mais la halakha, elle est que même dans le verso, c'est possible. Quand on fait la Zara. Même dans le verso. Halakhiquement parlant, c'est même dans le verso, on n'a pas le droit d'écrire quoi que ce soit dans le revers du Sefer Torah. D'ailleurs, même ceux qui ne sont pas très sympathiques, que quand ils écrivent leur Sefer, où ils achètent des yériot et au crayon, ils mettent les numéros et ils oublient d'effacer, ils ne sont pas sympas. Il faut qu'ils effacent. Les sofrim doivent apprendre à effacer
la numérotation des Yerirot. Ils nous causent des problèmes. Bon, la Gemara dit comme ça. Amarav Chizda. Get sheketavo shelo lishma, ve'avir alav kulmus lishma, banu le machloket Rabbi Yehuda ve'Rabbanan. Rav Chizda nous dit, un get qui fut écrit chez l'Olishma, pas dans l'intention de divorcer ce couple de Réhouven avec Rachel. Voilà que le sofer l'avait mis dans son tiroir et il a un nouveau couple qui s'appelle Réhouven et Rachel et qui demande, alors lui il sort de son tiroir, est-ce qu'il peut prendre juste sa plume et réécrire les mêmes lettres? C'est repasser avec sa plume sur ce guet. Et cette fois-ci, ça va être l'Ishma. Donc un guet qui était déjà écrit entièrement, seulement ce n'était pas l'Ishma. Et maintenant, il utilise le même guet et il repasse sur toutes les lettres du guet. Et cette fois-ci, l'Ishma pour ce couple. Est-ce que ça corrige le guet? Ou c'est incorrigible. Rav Chizda nous enseigne. Get, sheketavo, shelo, lishma. Un get qui a été écrit, shelo, lishma. Ve'evir, alav, kulmus, lishma. Il est repassé dessus avec un kulmus, lishma. Banu, le machloket, Rabbi Yehuda, ve'rabanan. Eh bien, selon Rav Chizda, ça dépend d'une machloket. Est-ce que ce guet est cachère maintenant, oui ou non? Ça dépend de deux opinions. Il y en a un qui va dire oui, l'autre qui va dire non. C'est qui est en machloket? Eh bien, Rabbi Yehuda et Hachamim dans la braïta suivante. Eux, ils ne parlent pas d'un guet, eux, ils parlent du Shem Hashem. Vous savez que quand on écrit le nom d'Akadosh Baruch Hu, quand on écrit un Sefer Torah, Tfilin, Mezuzot, il faut écrire le nom d'Hashem. Les Shem Kedushat Hashem. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelqu'un, un sofer, qui apparemment, il n'avait pas pris son café le matin. Sa tête, elle était encore embrumée. Et quand il a voulu écrire le Shem Hashem, il a cru qu'il fallait écrire Yehuda. Parce que dans Yehuda, on a les mêmes lettres que le nom d'Hashem. Il y a juste un Dalet en plus. Alors il croyait qu'il devait écrire Yehuda. Yehuda, c'est le nom d'Hachem, non? Alors, quand il a pensé à écrire Yehuda au lieu d'écrire le Shem Hachem, donc ça s'appelle Shelo Leshem Kedushat Hachem. C'était pas pour la sainteté du nom divin. Il voulait écrire Yehuda. Yehuda, c'est Hol. Alors que le Shem Hachem, c'est Kodesh. Donc sa Kavana, c'était Hol. Déjà, sa première erreur. Et comme je vous ai dit qu'il était vraiment dans le cirage, à la fin, il s'est trompé une deuxième fois. Et au lieu d'écrire Yehuda comme il voulait, il a écrit Yudke Vavke, c'est-à-dire il a manqué le Dalet. Il voulait écrire Yehuda et il a oublié d'écrire le Dalet, ça lui est sorti quoi? Yudke Vavke, les quatre lettres du nom divin. Alors il voit, du coup il a pris un café, il dit, ah ça tombe très bien, ah heureusement, j'ai écrit Yudke Vavke comme il se devait. On lui dit, monsieur, ce n'est pas cachère. Ton Sefer Torah Tfilin Mezuzot ne sont pas cachés. Pourquoi? Parce que ta Kavana, quand tu as écrit Yudke Vavke, ce n'était pas pour écrire Yudke Vavke, c'était pour écrire Yehuda. Et par erreur, tu as écrit Yudke Vavke. Donc c'est Shelo Lishma. Alors maintenant, est-ce qu'il pourrait repasser avec de l'encre, repasser avec une plume sur ces mêmes lettres? Et cette fois-ci, Leshem Kedushat Hashem. Rabbi Yehuda dit oui, Hachamim disent. Hachamim disent En Hashem in Amuvha. Tu n'as pas écrit le nom d'Hashem à la perfection. Alors, lisons. Detania Hare Shehaya Tsarich Lichtov et Hashem. Si le sofer devait normalement écrire le nom d'Hashem dans le Sefer Torah, Venitka Ven Lichtov Yehuda, par erreur, il a cru qu'il devait écrire le mot Yehuda. Veta'a, et après il s'est trompé une deuxième fois. Veloh est-il beau Dalet, il n'a pas écrit le Dalet de Yehuda. Donc qu'est-ce qui lui reste? Yudke Vavke. Ma'avir alav kulmus ou mekadesho. Livré Rabbi Yehuda.
Rabbi Yehuda dit, c'est quoi le problème? C'est que c'était un Yud Kevavke qui était Hol. Eh bien, tu repasses une deuxième fois sur les mêmes lettres avec ta plume, les Shem Kedusha Tachem. Et tu es Mekadesh, le Yud Kevavke. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Hachamim Omrim, En Hachem Inamouvha. Hachamim disent, non, ce n'est pas une façon d'écrire le nom d'Hachem, de repasser dessus. Alors maintenant, Rabbi Yehuda dit, il repasse dessus et il est Mekadesh. Alors regardez, Hachamim disent, L'homme in Hachem ouze. L'homme in Hachem, excusez-moi. En Hachem inamouvha. Ce n'est pas une bonne façon d'écrire le nom d'Hachem. Et après, on va voir dans la Gemara que, a priori, c'est juste que ce n'est pas joli. On va tout de suite expliquer. Donc déjà, premièrement, je vais revenir sur l'histoire, mais d'abord, premièrement, la Gemara veut comparer le guet à cette histoire, à cette marloquette du nom d'Hachem. Et dire, selon Rabbi Yehuda qui dit qu'il est possible de repasser dessus et de le sanctifier le nom d'Hachem, ça veut dire que même le guet qui a été écrit chez l'Olishma, comme le nom d'Hachem qui a été écrit chez l'Olishma, c'est réparable. C'est réparable. Comment? Il faut juste repasser sur les lettres une deuxième fois, selon Rabbi Yehuda. Tu es Mekadesh Hachem Hachem pour le Sefer Torah. Eh bien, le guet qui était chez l'Olishma, maintenant il va être l'Ishma. C'est exactement pareil. Hachamim qui ont dit non pour le Sefer Torah, eh bien, ils diront non pour le guet. Nahon, a priori, c'est comme ça, la Kavana. On aurait pu dire pour Hachem, non, mais pour un nom d'un guet, on aurait pu dire. Alors, justement, c'est la réfutation d'Agmara. Amara Bahabar Yaakov dit Malohi. Peut-être que ce n'est pas comparable. Adkan loka amri rabanan hatam, ela debainan ze eli ve anvehu, ve leka, aval hacha lo. La Gemara veut établir un distinguo en disant quand est-ce que Hachamim disqualifie le Sefer Torah, c'est-à-dire le Shem Hachem. Pardon, excusez-moi. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on repasse une deuxième fois sur le nom d'Hachem avec sa plume? C'est parce qu'il y a une halakha de Ze'eli ve'anvehu. Ze'eli ve'anvehu. On doit faire les mitzvot avec embellissement. Hitna'e le fanav be mitzvot. Ase le fanav sefer Torah na'e. Lulav na'e. Sukha na'a. Mezuza na'e. Ça veut dire, il faut que tout soit fait avec beauté. Or ici, quand tu vas repasser sur le nom d'Hachem une deuxième fois, alors ça va faire ce qu'on appelle Menoumar. C'est comme ça qu'il y a ceux qui expliquent qu'une double couche d'encre, quand tu as une couche d'encre, normalement tout est homogène, et du coup tu as comme ça le nom d'Hachem, où ça te donne une écriture avec épaisse. Ça ne fait pas beau. Le nom d'Hachem, il devient hétérogène. Ce n'est pas une façon d'embellir la mitzvah. Au contraire, le nom d'Hachem ici, tu as enlaidi l'écriture. Donc là, ce n'est pas beau. Mais au niveau du guet, il n'y a pas de mitzvah d'embellir le guet. Le guet, on peut l'écrire sur n'importe quoi et n'importe comment. Nahon, il n'y a aucune mitzvah d'embellir l'écriture du guet. C'est pour cela que même Hachamim pourrait être d'accord avec Rabbi Yehuda pour dire que le guet, ce serait kasher. Et on pourrait repasser dessus, même d'après Hachamim. Maintenant, juste, je vais aborder quelques points par rapport à cela. J'ai vu quelque chose, j'ai entendu une fois quelque chose de très très beau par rapport au nom d'Hachem. Ici, Hachamim disent que par rapport, parce que c'est Ze'eli ve'anvehu, en Hachem inamuvhar, ce n'est pas une façon parfaite d'écrire le nom d'Hachem. Alors quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? D'accord, on le sait très bien que embellir les mitzvot, c'est magnifique. Mais si je n'ai pas embelli la mitzvah, ça ne dégrade pas la mitzvah elle-même. La mitzvah, c'est une mitzvah.
Par exemple, j'ai un etrog qui est cachère à un etrog qui est moins beau, qui est plus beau. Si j'ai pas acheté le meilleur, j'ai quand même pris un etrog cachère, tout va bien. J'ai une mezouza à 500 shekels, j'ai une mezouza à 300 shekels. À 300 shekels, elle est cachère, même si à 500 shekels, elle est plus belle, ce n'est pas la fin du monde. Alors, tout ce qui est Ze'eli ve'anveu, tout ce qui est embellissement, c'est que les chathila. Mais Bedi'avad, ça n'empêche pas la mitzvah. Même si je n'ai pas embelli la mitzvah est une mitzvah. Ça, c'est une règle générale. Et écoutez un chidouche extraordinaire. Sauf pour le nom d'Hachem. Ze'eli ve'anveu. Le nom d'Hachem, s'il a été écrit chez l'Olishma, et tu repasses dessus pour le rendre l'Ishma, ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau pour le nom d'Hachem. C'est disqualifiant. Ça invalide totalement. Et là, c'est irrattrapable. Parce que ce n'est pas Mehoudar. Il y a ceux d'ailleurs même qui disent que ce n'est pas Mehoudar, pas seulement par rapport à la forme physique, parce que ça fait une double épaisseur d'encre. Et donc ce n'est pas joli parce que ça fait hétérogène, pas seulement pour ça, ils disent que Bichlan, le fait de devoir rattraper, c'est-à-dire au début, tu le fais dans l'esprit de Shelo Lishma, Shelo Lesham Hashem, et après tu le fais Lesham Hashem. Ça, c'est pas une façon de faire avec le nom d'Hashem. C'est un manque de kavod pour le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est à ce titre-là, il y a un problème de Ze'eli Ve'anveu au niveau de l'esprit, pas au niveau de l'encre. Mais c'est pour nous dire que exceptionnellement, par rapport au nom d'Hachem, le Ze'eli ve'anveu, ce n'est pas juste a priori, c'est même a posteriori. Ça veut dire que ça disqualifie l'écriture, même Bédiravad, je ne peux pas me permettre de repasser une deuxième fois avec la plume, bien que normalement, ça aurait dû marcher comme pour le Get, mais pour le Shem Hachem, non. Et pourquoi non? C'est pas seulement a priori qu'il ne faut pas le faire, mais c'est même si tu l'as fait, ça ne marche pas. Car ici, le Ze'eli ve'anveu, c'est spécial. C'est Ze'eli, c'est le nom d'Hachem. La beauté, l'embellissement au niveau d'écriture du nom d'Hachem, c'est pas que a priori, ça invalide même a posteriori. Hidouche. Et avec ça, on explique quelque chose de très très fort. Il y a un Tosfot au début du Perek Lulav Agazul dans Maseret Souka. Là-bas, il est écrit Lulav Agazul Ve'ayavesh Pasoul. Un Lulav qui est sec n'est pas cachère. Pasoul. Rachid dit pourquoi? Ze'eli Ve'anveu. C'est mon Dieu, je l'embellirai. Tosfot disent, je ne suis pas d'accord. Car si c'était basé sur le Pasouk Ze'eli Ve'anveu, eh bien, Bedi'avad, c'est cachère. Ok, il faut que ce soit beau, mais si ce n'est pas beau, mais c'est quand même valable, ça doit être kasher. Pourquoi tu me dis pasoul? Si la Mishnah dit pasoul, ce n'est pas pour un problème d'embellissement de Ze'eli ve'anveu, parce que dans ce cas-là, Bedi'avad, ça devrait être kasher. Pourquoi la Mishnah dit pasoul? Tosfot disent que c'est pour une autre raison que c'est pasoul. Pasoul, c'est parce que on compare le loulav au etrog. Et le etrog, la Torah ne l'a pas appelé etrog, la Torah comment elle l'a appelé? Peri etz hadar. Kapot temarim, v'anaf etz avot ve'arve nahal. Kapot temarim, peri etz hadar. C'est quoi peri etz hadar? Un fruit beau. La Torah a exigé qu'il soit beau, le etrog. S'il est sec, il n'est pas beau, alors il ne correspond pas aux critères de la mitzvah. Et comme capote marine, le loulav s'écrit juste à côté du etrog, alors de la même façon qu'un trog yavesh, pas kacher, ainsi loulav yavesh, pas kacher. Donc Tosfot donne une autre raison pour disqualifier le loulav qui est yavesh. Maintenant, Rashi. Rashi est bizarre. La question de Tosfot, elle saute aux yeux. Comment Rashi s'est appuyé sur le pasouk Ze'eli ve'anveu? Mais ça, c'est un pasouk que pour le Hidur Mitzvah. Hidur Mitzvah, ce n'est pas la mitzvah elle-même, c'est en plus. C'est un embellissement. Si on n'a pas embelli, ce n'est pas grave. Comment Rashi a pu dire qu'on disqualifie un loulav
ou un truc parce qu'il est yabesh, parce que un zéli bernevéou. Alors j'ai entendu un pirouche, mais alors sublime. C'est le bonbon d'aujourd'hui. Les quatre espèces du loulav, etrog, loulav, hadas, arama, ça correspond aux quatre lettres du nom divin. Yud, ke, vav, ke. Vous connaissez l'histoire du Rikanti, Rabbi Menachem Rikanti, qui avait vu dans son rêve que son invité avait séparé, il avait écrit le nom d'Hachem et qu'il a séparé le He de Yudke Vav. Et dans son rêve, il lui dit mais rapproche-les. Il se réveille, il n'a pas compris c'est quoi. Et quand ils ont été à la synagogue, à Sukkot, il a vu que le Etrog, il ne le mettait pas ensemble, il ne le tenait pas collé au Shalosh Mini, il le tenait décollé. Donc il avait Yudke Vav et le Etrog, il était à part. Il lui a dit il faut rapprocher. Étant donné que les quatre espèces du loulav correspondent aux quatre lettres du tétragramme du nom divin, le Zé Eli Véanvéou, pour le nom divin, c'est pas que a priori, c'est même a posteriori. C'est pour cela que loulav Ayavesh, pas soul, c'est pas seulement un embellissement où on dirait les Khathila, a priori c'est bien, mais sinon ce n'est pas grave. Là, si c'est un loulav sec, c'est grave. C'est invalidant totalement, car ça correspond aux quatre lettres du nom d'Hachem, où le Yavesh, quand c'est pas beau, eh bien c'est pas cachère du tout. Comme ici, si ce n'est pas beau, ce n'est pas cachère du tout, d'après Hafamim. Et maintenant, pour extrapoler, pour aller dans le même ordre d'idées, pas vraiment dans la notion de Kabbalah, ce qu'on vient de dire maintenant, c'est d'après la Kabbalah, c'est pas le Pshat, mais le Rashba, ici, dit que, il dit au nom du Yerushalmi, quelque chose d'incroyable, que Behemet Hachamim, quand ils ont dit En Hachem in Amuvhar, ce n'est pas une belle façon d'écrire le nom d'Hachem, de repasser dessus avec une deuxième couche d'encre, mais c'est qu'ils disent à Rabbi Yehuda, selon nous, Bichlal ce n'est pas kasher. Parce que ça s'appelle Ktav al-Gabé Ktav. Comme vous l'avez si bien dit, bravo. On avait vu que par rapport à Shabbat, quelqu'un qui avait deux lettres qui étaient déjà écrites avant Shabbat, avec de l'encre noire, il est repassé dessus avec de l'encre noire pendant Shabbat, comment ça s'appelle? Mohek, avec Kotev. Il efface et il écrit. Dans ce cas-là, ce n'est pas bon. Pourquoi? Pardon, dans ce cas-là, ça s'appelle Ktav. Puisque ça s'appelle Ktav, alors en effet, il est Hayav pendant Shabbat. Maintenant, au niveau du Get, ce monsieur a écrit le Get. Est-ce que ça s'appelle Ktav? Alors le Rashba dit, chez Hachamim et Shivu le Rabbi Yehuda, Keshidato et Kachamoulo, les datenu, Hashem pasul le gamre. Les fiches en Aktava Elion Hashuv Ketav. Ça veut dire que d'après Yerushalmi, il pense que d'après Hachamim, ce qu'on avait dit hier, que Ktav Ad Gabe Ktav pendant Shabbat, il est Hayav à titre de Kotev et à titre de Mohek. Ça, c'est Rabbi Yohanan et Rish Lakish qui avait dit ça tous les deux. C'est que le deuxième Ktav qui est en haut, ça s'appelle Ktav. Mais d'après ces hachamim-là, ils pensent que non. Le deuxième ktav, ce n'est pas un ktav. Selon Rabbi Yehuda, oui. C'est pour cela qu'on peut corriger le nom d'Hachem. Il a déjà écrit le nom d'Hachem chez le Lishma. Il passe dessus, Lishma. Le get, il a écrit chez le Lishma. Il repasse dessus, Lishma. C'est Rabbi Yehuda. Hachamim disent, pour nous, Michlal, ça ne marche pas. Pourquoi? Ni au niveau du get, ni au niveau du Shem Hashem, c'est incorrigible, c'est irrattrapable. Car le deuxième ktav sur un premier ktav, c'est comme bishul ahar bishul. En bishul ahar bishul, tu ne vas pas cuire quelque chose qui est déjà cuit. Tu ne vas pas écrire quelque chose qui est déjà écrit. Ça, c'est selon eux. Mais selon toi, Rabbi Yehuda, qui dit que oui, une écriture sur une écriture, celle d'en haut s'appelle écriture. Et comme on a dit, pour Shabbat, il est Hayav.
Il s'appelle Kotev et Mohek. Mais ils lui ont dit, alors ok, pour le get, il n'y a pas de problème. Car le deuxième ktav d'en haut, ça s'appelle ktav. Mais toi-même, tu devrais dire que pour l'écriture du nom d'Hachem, ce n'est pas kavod de repasser sur le nom d'Hachem pour rattraper l'écriture ratée de Yudke Vavke. La première fois, il l'a fait en tant que Yehuda, et la deuxième fois en tant que nom d'Hachem. Même toi, Rabbi Yehuda, qui dit que ktav al-gabé ktav, ça s'appelle un ktav, mais c'est seulement pour le guet que tu devrais accepter ça, mais pas pour le nom d'Hachem. Oh, s'il n'avait pas pensé au nom de Yehuda, simplement il aurait écrit l'Olishma. Est-ce qu'il aurait pu repasser par-dessus l'Olishma? Qu'est-ce que ça veut dire chez l'Olishma? C'est-à-dire qu'il a écrit puis il a oublié d'avoir la Kavana. C'est pareil. C'est pareil. Écrire Yehuda ou écrire Utkevavke, Shelo Hashem Kedushat Hashem, ça revient en même. Sauf si il écrit Stam. Quand on dit Stam, Stama sa Kavana, c'est l'Hashem Hashem. Mais s'il dit clairement, c'est pas l'Hashem Hashem. Stam. Stam, en général, un sofer, quand il écrit le nom d'Hachem, Mistama, il pense au nom d'Hachem. Hachem Kedushat Hachem. Amar Rav Hizda, Yachilna le Mifsalin ou le Kulegite de Alma. Rav Hizda dit, j'ai la capacité à rendre pasoul tous les guettes du monde. Amar le Rava Maitama, pour quelle raison tu veux disqualifier tous les guettim du monde? Et les mamishom dirti vekata veacha ihika katvale vedilma knuya knule rabanan. Vous savez que qui est-ce qui paye le sofer pour écrire le guet? C'est la femme. Le mari divorce et c'est la femme qui paye. Pourquoi? Hachamim l'ont fait cette akana pour pas qu'elle reste aguna. Si tu veux ton guet, alors ne complique pas l'affaire. Après, il ne voudra pas lui donner le guet, rien que pour économiser les deux sous qu'il doit donner au sofer. Alors, madame, si tu veux acquérir ta liberté, paye-toi le sofer. Alors maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que si c'est elle qui a payé le sofer, donc c'est elle qui est propriétaire du papier. Si c'est elle qui est propriétaire du papier, alors il ne lui a rien donné. C'est écrit « Venatan biyada ». Mais Katavla Sefer Keri, tout Venatan Biada, il ne lui a pas donné le Sefer parce que le Sefer était déjà à elle. Alors voilà Rav Hizda, il dit tous les guettes du monde sont pas saouls. La Gemara dit c'est pas vrai. Car les Hachamim ont le pouvoir de déposséder quelqu'un de ses biens et de le donner à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, ici, qui est propriétaire du parchemin? La femme. Hachamim ont le pouvoir, ce qu'on appelle Hefker Beddin Hefker, être mafkir cet objet. Et dire, non, madame, tu n'es plus propriétaire. On verra, Be'ezrat Hashem, quand on arrivera au Perek HaSholeach, Perek Leviri, vous allez voir de quelle façon qu'on apprend. Que le Beddin a le pouvoir de déshériter quelqu'un, de le destituer, etc. Alors, automatiquement, quand ils ont retiré à la femme, ça permet au mari d'être propriétaire de cela, de prendre possession de cela. Alors dans ce cas-là, il n'y a plus de problème. Donc au moment où il va lui donner le guet à la femme, tout va bien. Donc tu ne peux pas me dire que Rav Hizda pouvait invalider tous les guets du monde pour cette raison. Mais excusez-moi, tout ce qui appartient à la femme appartient au mari. Tout ce qui appartient à la femme appartient au mari à la base. Donc même le papier, il appartient au mari. Si. Tout ce qui est à la femme appartient au mari. Il a le du prix, mais il n'a pas la propriété. Bon, c'est lui qui a vu ce fruit. Il n'a pas la propriété. Très, très bonne question. Très bonne question. Mais il y a deux réponses à votre question. Premièrement, une femme, elle peut avoir de l'argent. Si, par exemple, quelqu'un lui donne et lui dit « Tiens, cet argent-là, c'est pour toi et pas pour ton mari. » Alors, dans ce cas-là, c'est pour elle et c'est pas pour son mari. Deuxièmement, quand un mari donne le guet à sa femme, comment elle est divorcée? Mais tout ce qui lui appartient, lui appartient. Alors comment elle a reçu le guet? Elle n'a jamais reçu, puisque la main droite qui donne à la main gauche, ça reste la même chose. Si on dit que la main de la femme, c'est comme la main de l'homme, alors quand est-ce que la main de la femme a reçu le guet, puisque c'est comme la main gauche de l'homme? D'ailleurs, cette même question se pose au niveau d'un Evet Kenaani. Comment un esclave cananéen peut être libéré avec un guet shihrour? Mais quand il lui donne le guet à son Evet Kenaani,
on a une règle. La main du Eved, c'est comme la main du maître. Alors c'est comme si le maître, il donnait de la main droite à la main gauche. Mais pour le guet, on dit « Gito veyado ba'im ke'ehad ». Comme quand une femme ou un Eved divorce, ils acquièrent leur liberté par le biais du guet. Et donc le guet est donné à une personne qui a déjà acquis l'autonomie. C'est-à-dire que l'autonomie et le guet viennent ensemble, concomitamment. Alors, est-ce que Rav Hisda, il voulait vraiment dire que tous les guettes du monde sont pas saouls? Quoi, c'est ça ce qu'il veut, Rav Hisda? Il voulait dire, je veux comprendre pourquoi tous les guettes du monde ne sont pas saouls. Je veux comprendre. Alors la Gemara dit, qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Si c'est par rapport au support qui appartient à l'homme, pardon, qui appartient à la femme, mais non, il appartient à l'homme grâce à la takana de Chachamim. Et si c'est parce que il ne lui donne pas un objet de valeur, c'est-à-dire par exemple, on a dit que même s'il lui a écrit sur une feuille d'olivier, le guet, c'est kasher. Combien ça coûte une feuille d'olivier? Presque rien. Moins d'une prouta. Et donc, ce n'est pas cachet. Donc, il ne lui a rien donné. Alors, c'est ça la question. Rav Hisda dit, je ne comprends pas comment tous les guettes fonctionnent. La Gemara répond, elle dit, « Dilman et tinat getti, teda de shalchomitam ktavo ali surana kacher. » La Gemara répond, elle dit, même ça, ce n'est pas un problème. Car quand la Torah a demandé que le mari donne à la femme le guet, elle n'a pas exigé qu'il ait une valeur. La preuve. Quel est le din si un homme a écrit un guet sur un objet qui est assur bahana'a? Par exemple, Hametz à Pessah. On a le droit d'en profiter? Non. Imaginons, le mari a pris un pain. Pendant Pessah, il a pris un pain et il a écrit dessus le guet qu'il lui a donné. Il n'a pas le droit, lui, non plus. Ok, il a fait. Il a fait, il lui a donné. Il n'est pas saoul. Alors, guette cachère ou pas cachère? Cachère. Pourquoi? Parce que, bien que lui n'a pas le droit de profiter de ce pain, et elle n'a pas le droit de profiter de ce pain, mais maintenant, il lui a donné après tout le guette. Alors, le guette, Venatan Biada, Sefer Keritut. Quand on dit Sefer Keritut, ça veut dire le sipour des varim, le contenu. Ce n'est pas le contenant qui compte. Il faut juste un contenant pour qu'il y ait un contenu. Mais elle divorce grâce au contenu, pas grâce au contenant. Donc même si l'objet qui est le support de l'écriture n'a aucune valeur, d'ailleurs, pourquoi il n'a aucune valeur? Parce qu'il est interdit au profit. Et tout ce qui est interdit au profit n'a aucune valeur. Quelle est la valeur d'une chose? C'est la possibilité d'en profiter. Si je n'ai pas le droit d'en profiter, donc il n'a aucune valeur. Alors maintenant, le bonhomme, il a écrit sur un pain à Pessah, il a écrit Aret Muteret Echol Adam et ainsi de suite. Tout le guet, il a écrit sur la baguette. Et il lui a donné avec un coup de baguette. Et là, alors maintenant, donc, qu'est-ce qui s'est passé? En effet, elle est Megourechet. Donc, ce n'est pas un problème. Le fait qu'il ait écrit sur une feuille d'olivier, l'Agmarad dit donc, en effet, je ne vois pas quel est le problème de Rav Hisda, dans le sens où il ne peut pas invalider tous les guettes du monde pour cette raison. Goufa, la Gemara reprend ce rinyan. Shalchou mitam katvo ale surana akasher. Deretz Israël, on a envoyé un enseignement à la Babylonie en disant, même si on écrit sur un support qui est interdit au profit, qui n'a aucune valeur, c'est kasher. Amaravashi afanana metanina la ale shel zait. Rabashi dit, je ne comprends pas, quel est le ridouche? Mais dans la Mishnah, c'est écrit, même sur une feuille d'olivier n'a même pas chavé prouta. Donc ça veut dire qu'on n'exige pas de donner un objet de valeur. La preuve, c'est que
La feuille d'olivier n'a pas de valeur et quand même c'est cachère. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'enseignement d'Eretz Israël pour dire qu'advoa l'issouana est cachère? La Gemara répond, Dilma sha'ane ale shel zayin de hazele itztarufe. Qu'est-ce que ça veut dire? On aurait pu penser qu'une feuille d'olivier, oui, une baguette à Pessah, non. Pourquoi? Une feuille d'olivier, ça a quand même une valeur. Même si c'est moins que Prouta, mais c'est apte à être cumulé pour additionner une valeur à une autre valeur et arriver à Shavet Prouta. Exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des feuilles d'olivier? Vous savez qu'est-ce qu'on peut en faire? Du feu. Par exemple. Ou bien on peut donner aux animaux à manger. Ou bien on peut même faire un matelas. Un oreiller. Ah, un oreiller avec des feuilles d'olivier. Quel kiff. D'accord? Alors, avec 10 000 feuilles d'olivier, tu as un super matelas. Ce qui veut dire, donc, étant donné que la feuille d'olivier, tu ne peux pas me dire que c'est du zéro. Voilà, c'est proche de zéro. Mais proche de zéro, c'est quand même une certaine valeur qui est hazel itztaroufé, que tu peux cumuler, additionner pour arriver à une bruta. Tandis que Isuranaa, c'est 0 plus 0 égale 0, il n'y a rien. Impossible d'arriver à une valeur quelconque, jamais, puisque c'est Asubana. Donc voilà pourquoi il fallait nous enseigner que Filou Ketavo, Ali Subana'a, le guet est kacher, car je n'aurais pas pu le déduire de la Mishnah qui a parlé de feuilles d'olivier. Tania, Rabbi Omer, Ketavo, Ali Subana'a, kacher. En effet, Rabbi a dit que si on a écrit un guet sur Ali Subana'a, kacher. Nafak Lévi d'Arsha Mishmed Rabbi Velo qu'il soit. Quand Lévi est allé enseigner cette halakha au nom de Rabbeinu Akadosh, eh bien, il n'a pas été applaudi. Ça veut dire que les gens n'ont pas adhéré à cet enseignement. Mishmed Rabbi mais qu'il soit. Mais quand il a été ailleurs, il a dit cette fois-ci, je ne vais pas le dire au nom de Rabbi Yehuda Hanassi, qui est unique, je vais le dire au nom de Hachamim. Et en effet, les gens, ils ont applaudi, ils ont adhéré. Alma il cheta kavate. Ça veut dire qu'il était malin. Pour que les gens acceptent, il a dit, je ne vais pas le dire au nom d'un individu isolé, je vais le dire au nom de la collectivité. Et la Gemara dit que la halakha est comme ça, qu'on a le droit d'écrire un guet sur Isuranaa, puisque tu vois que Rabbi Yoshua ben Lévi, il a fait des pieds et des mains pour faire admettre cette halakha aux gens, jusqu'à même changer le nom de l'auteur, machma que c'est ça la halakha.